Vous venez d'où, vous? Montréal. De Montréal? Ok, super. Ah ouais, et là-bas, il y a une grosse culture stand-up, hein. J'imagine que là, vous allez souvent voir du stand-up? Oui, mais je veux dire, il dit on vient d'arriver. Alors, apparemment, le décalage horaire est un petit peu compliqué pour les personnes. Je dis non, mais à Montréal, vous allez voir du stand-up un peu? Non, pas Montréal. Mourière. Ah oui. Ah, c'est la branlette. Bah oui, mais bon, il est long le festival, moi. Je me fais chier, hein. À Mourière. Par applaudissement, qui avait compris Montréal? Moi. Ah, merci. Ah, non, je suis pas le seul. C'est peut-être l'accent. Il y a un accent. Tu viens... c'est où, t'as dit? C'est quoi le... Montréal, les amis. Montréal. Oui, tu prends la rocade, ça ne part. Okay. Merci, Waze. Merci. C'est juste à côté. Ah oui, moi j'ai cru que... Parce que, oui, parce que j'ai dit grosse culture stand-up, ça m'étonnerait que là-bas, ça soit la folie, quoi. Bon, y a Tex qui est venu en 82, sinon c'est tout. Hein. Ok, bah bienvenue les amis. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Directeur de restaurant. Directeur de restaurant, pas les lieux, ok. Vous appelez comment? Peut-être y a des gens qui sont allés manger, là? Non, je tairai le nom. Ah, je tairai le nom? Ça, à tous les coups, c'est un club échangiste. Tu connais ou pas le truc? Tu sais ou pas ce genre de resto? Il fait, bon, il est maintenant temps de fermer les rideaux. Allume les cierges. Ok, Non, c'est un bon resto? C'est une enseigne nationale. C'est une enseigne nationale? C'est un campanile? On a plus que 35 ans de mariage ou pas? Campanile? Campanile, hey, tu le respectes, hein? Il vient de Montréal, je te rappelle. Donc, non, vous êtes mariés, vous? Oui. Ouais, depuis longtemps? Pas longtemps. 12, c'est déjà très chouette, 12 ans. Il y a eu aussi une demande de classe ou pas? On t'intéresse toujours. Moi, tout... dès le premier jour, je dis ouais, je t'aime. Oh, le premier jour? Oh, le psychopathe. Tu connais pas ce genre de profil? Je t'aime. Bah attends, c'est même pas dit bonjour. Ouais, mais je t'aime. Épouse-moi, t'es la bonne. Voilà, on va y aller doucement. J'ai un campanile à Montréal, ok. Allons-y. C'est mon amour d'enfance que j'ai retrouvé 30 ans après. Oh, ah ouais. Ah ça, c'est génial. Voilà. Comment t'as flingué mon impro? J'étais en pleine impro. Ok, c'est mon amour d'enfance. Oh. Suceur, regarde-le. C'est trop mignon. Bon, non, c'est vrai que c'est beau. C'est-à-dire que vous étiez au collège ensemble? Au primaire? Non, on était jeunes, on avait un ami d'enfance en commun. Ok, vous étiez amis d'enfance. Et ce qui est marrant, c'est que chacun a fait sa vie de son côté à un moment. Voilà. Et du coup, tu l'as retrouvé, vous aviez quel âge quand vous êtes retrouvé? 40, il y a 12 ans. Merci. Il y a une case UFX, là. Tu retiens deux, c'est la retenue, hein, c'est la retenue, ça fait du quoi. Je vous adore. Et attends, non, moi ce que je trouve beau, c'est est-ce que chacun pensait un petit peu à l'autre quand... C'est incroyable, c'est un film votre histoire. Et qui a fait le premier pas à dire vas-y, c'est toi? Parce que toi tu te séparais de l'heure même pas, hein, vous étiez encore en couple chacun de votre côté. Ah, chacun était encore en couple. Et eux, ils sont mis ensemble aussi de leur côté ou pas? Non. Ils peuvent pas vraiment se blairer, donc... Ah ouais, c'est ouf. Et maintenant, c'est le parfait amour, ça y est. Du coup, vous avez des enfants aussi ensemble et tout? Non. Non. Trop tard. Si on peut en congeler maintenant, on peut faire des... Non, mais on peut... il y a des petits tips. Merci, il y a ma mère qui applaudit au fond, c'est adorable, mais t'emmerdes pas. T'emmerdes...